Ok. Non, ça rigole pas du tout. Hein. Ok, j'ai check la rediff. En effet, Phrynos délète des projectiles de Chronos. Oui, c'est dans les pouvoirs de Phrynos. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi je suis revenu à Rabat-Joie? Je suis revenu parce que les choses deviennent enfin intéressantes par ici. Mais toi, tu veux tout ruiner. Je ne te laisserai pas remettre ma tâche en question. Tu n'as pas mieux à faire que d'embêter tout le monde et de jeter tes déchets partout. Peut-être. Et alors? J'ai le droit d'être ici, tout comme toi. Tu te débarrasseras jamais de moi, tu te débarrasseras jamais de Chronos non plus. Et t'en changes, Rabat-Joie. Les dieux, c'est du passé. Bon, le passé, c'est Chronos. Certes, mais je ne peux m'empêcher de me dire que j'aurais dû me trouver à leur côté, mon frère. Peut-être serais-je pas venu à les protéger malgré tout. Hélas, cette question continuera de me hanter pour le reste de mes jours. Si seulement les moires m'avaient laissé une chance. Kéark. Je sais, tu as tout à fait raison d'être en colère. Moi aussi, je le suis. Et qu'à cela ne tienne, je suis heureux que nos chemins se soient recroisés tout après tout ce temps. Sois prudent, Caron. Oh! 8 poussières de lune. Pas mal. Et ici? Le passé est passé. Alors, ça t'a avancé à quoi de t'emporter contre la maîtresse Nem? Même venant de toi, c'était vraiment irrespectueux. Ah bah écoute, on dirait que je vais devoir rester ici à monter la garde encore longtemps, mais ça valait le coup. Fallait bien que quelqu'un compense pour toute la lèche que tu lui fais. Même si tu étais capable de faire la différence entre faire preuve d'un minimum de respect et ce que tu appelles faire de la lèche. Alors ça y est, tu l'as fait. Tu as vraiment tué ce salaud, le temps d'une nuit en tout cas. Quand le premier rapport est arrivé, je ne pouvais pas y croire, mais au bout du troisième ou du quatrième, j'étais convaincu. Excellent travail, DS. Merci, Ulysse. Par contre, je ne serais pas du tout surpris si le rapport signalait déjà son retour. Mais quoi qu'il en soit, j'ai juste ce que je voulais. Et aussi une petite dose de vengeance. Tant mieux. Je doute qu'il digère sa défaite de sitôt, mais bien que nous puissions être encore loin déterminés, nous avons besoin de cette victoire, je pense. Toi, la première. Prête à passer à l'étape suivante? Oh, que oui. Miam. 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 Et oui, du coup, le Fresh Fall, c'est exactement ce que la Claude a dit. Et c'était ma spécialité en speedrun sur, sur Hades 1er, du nom. J'avais le record du monde dessus. Du coup, plutôt chouette. Hop là. Ah, ils ont fait la mise à jour. Ils ont changé la touche. Il y a eu une mise à jour tout à l'heure, ils ont changé la touche. Introspection. OMG. Bref. Bref, bref. Ah, ok, reprenons ça. Nos actions se canalisent plus rapidement. Lorsque vous portez 21 coups et que vous avez 50% au moins, vous pouvez absorber l'explosion de votre technique pour régénérer. Bon, je vais améliorer ça. De toute façon, il faut améliorer. Et là, il me faut quoi pour améliorer 10 argent et la psyché. Très bien. Ok. Let's go, Apollon. Et on y va. Parti. Marteau. J'aime. J'aime beaucoup. Votre technique peut rebondir d'un ennemi à l'autre jusqu'à 2 fois, celle-ci inflige plus 10% de dégâts par rebond effectué. Votre attaque chargée frappe 2 fois mais uniquement devant vous. Votre attaque une partie infligée. Ok, je prends ça. Vas-y, build technique là. Ah, je sais comment, c'est satisfaisant mais très lent. Apollon, Mamos. Apollon.
Donc tu es l'apprenti des quatre. La sorcière de la croisée, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais elle est respectée chez nous. Je sais que je jase beaucoup sur les titans ces derniers temps, mais s'il y a une preuve qu'ils ne sont pas tous mauvais, c'est elle. Au famille up, son famille level up aussi. Pouf, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que oui, mais c'est pas évident. En tout cas, il level up pas en étant avec moi, quoi. Mais j'ai l'impression que quand j'ai déclenché sa venue, j'ai l'impression que c'était faisable. Vas-y, Phrynos. La grenouille pacificatrice, ça régale. Ok, un peu de mana max. Pas mal. Allez, on peut. Merci beaucoup, Shuichi. 7. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue, évidemment. Eh ben, là je vous laisse venir, bonjour, merci beaucoup Vlad, des bisous, bonne nuit à toi. Nos techniques infligent plus de dégâts à plus de temps racine, vas-y go. Let's go. Oh là voilà, c'est vrai que je peux en tuer plus que toi, si tu le dis. Comment ça se fait que t'es déjà là, hein? Ça fait rien, c'est ton or ou le mien. Alors, on est nul ? Arrête de faire perdre mon temps. Plus vite t'échoueras, plus vite je pourrai te montrer comment on s'y prend. Et non, trop tard. Bisous. Coucou Arachné. Donc si je comprends bien, tu as le soutien des dieux de l'Olympe, c'est bien ça? Oh, pourquoi je te pose la question? J'en connais déjà la réponse, j'ai vu leur message émis cette fois de toutes les couleurs. C'est bien ça, le titan du temps n'est pas seulement une menace pour moi, mais aussi pour eux. Donc nous avons un but commun, j'aurais dû t'en parler plus tôt, c'est juste que je ne savais pas comment te le dire. Encore une fois, les moires m'ont bien eu. J'ai beau être une meilleure tisserande que tous les Olympiens réunis, ces trois-là me battent toujours à plat de couture. Enfin, ne t'inquiète pas, je ne tournerai jamais l'abdomen, même si ça arrange pour le temps. Ouais, ça. Hop là! Let's go Hermès. Voilà, vitesse de canalisation. Quelle dinguerie.
Ah ouais, ouais, tu vas devoir attendre au moins 2025, oui, en effet. Apollon éclaire déjà ton chemin, on dirait. Il a jamais été du genre à se salir les mains, et ça risque pas de changer de sitôt. Mais c'est pas comme s'il avait le choix avec tout ce qui se passe. Mm-hmm. Vos techniques sont plus rapides. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Allez, zo. Oui. Let's go prendre descendre. Poséidon ou Manamax? Vas-y, go Poséidon. Pas grave, ça me laissera le temps de platiner à dessin et d'autres jeux. Bah oui, clairement. Nice. Hop, Poséidon. Ton père communiquait rarement avec nous d'autres, tu sais. Donc quand Hadès n'est plus donné signe de vie à l'Olympe, nous pensions qu'il était redevenu le vieux ermite qu'il était jadis, alors qu'on a en réalité contre sa capturé. Nous n'avons rien pu faire. Oh, ça a rien de vrai. Hein? Bon. Allez, pression hydraulique. Faut finir cette phrase parce que, voilà. La raison évidente de pas pu la finir. Ok. On va faire ça et ça. Notre attaque chargée inflige plus de dégâts mais consomme 10 de plus. Il veut quoi déjà? Ça doit être tellement frustrant pour vous de voir toutes ces âmes errer dans les rêves sans nulle part où aller. Seigneur Caron, ne vous en faites pas, le jour viendra où vous les conduirez toutes à leur place en enfer. Non, imagine un jour dans le jeu Caron parle vraiment quoi. Imagine. Je vois que tu ne voyages pas seul cette nuit. En voilà un étrange choix de compagnon. J'ai du mal à imaginer comment ton petit amphibien peut influencer l'issue de notre combat en ta faveur. Vous savez quoi? Vous savez, comme moi, que les apparences sont souvent trompeuses lorsqu'il regarde Flynn aussi l'air tout excité. Nous ne sommes pas ici pour amuser tes amis des bois millénaires. Prie plutôt pour qu'ils ne se fassent pas piétiner dans le feu d'action. Par contre, ce que je lui mets, c'est violent. Hein. C'est toujours celle qui a l'opposé, ça dégoûte. Adieu. Ok. J'ai mérité cette récompense, puisse-t-il te permettre de préférer tes talents. Hop, le petit tison. Et bam, boss. Hmm.
Ah, j'aurais peut-être dû prendre Héphaïstos, bon tant pis. Ah, je vois que Posidon t'a accordé sa bénédiction. Que quand tu fais avec elle, m'asperger d'eau. Marrant ça, putain, on se marre de fou, mec. Ouais, c'est ok, bon. Par contre, j'ai que 66 HP, donc il va falloir commencer à prendre de la vie, Nitro. Ah bah voilà, parfait, merci. Merci le jeu. Ok, vas-y, on reprend un peu de vie encore. Et boum! Yo, je pratique ce duo minotésé, j'ai une petite question spécifique. Ouais, vas-y, me kicks, vas-y, pas de soucis. Que passo, amigo? Dis-moi tout. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les souverains légitimes des enfers retrouvent leur place sur le trône. Je connais ton père qui a travaillé à dire de Nyx, mais j'ai observé ta mère lors de ses visites sur l'Olympe. Tu as clairement été sa majesté, petite étoile. Ok, vas-y. Nice. Oh, j'aurais dû lui faire un cadeau, je suis trop con. Il y a un pattern où il fait deux coups au cac et après il jump sur toi. Sauf que des fois il jump qu'une fois, des fois trois fois, des fois pas du tout. Et j'arrive pas à capter comment prévoir ça. Comment expliquer ça facilement? Alors techniquement c'est pas censé t'emmerder si tu restes toujours derrière lui. Ça c'est ma première remarque. Genre normalement il n'y a pas trop de soucis. Il faut vraiment toujours le respecter et rester derrière lui. Maintenant... Alors... Entre une fois et trois fois... tu pourras pas faire la différence. Franchement... même moi parfois je me trompe. Mais ça c'est pas trop problématique. Par contre quand il le fait pas du tout, tu le vois... Parce que il reste plus longtemps enfoncé au moment où il saute. Et du coup, il repartira pas. Il y a quand même un certain moment entre le moment où il repart, où il saute, puis re-saute, puis re-saute. Mais il n'y a pas de pattern qui, au départ de ses sauts, te permette de savoir qu'il va re-sauter une autre fois. Ça, c'est pas possible. T'as pas de pattern. Moi, c'est par habitude que je vois à peu près comment il fait, mais je saurais pas l'expliquer. Et c'est très dur quand t'as pas joué beaucoup. Par contre, les fois où il repart pas... Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, je sais pas, il paraît plus lourd. Il prend plus de temps pour faire le mouvement et tout. Mais franchement, c'est compliqué de l'expliquer. Hein. C'est une très bonne question et c'est compliqué de l'expliquer. Mais de manière générale, il ne peut pas faire le pattern quand tu es derrière lui. En fait, il ne te sautera jamais dessus direct quand tu es derrière lui. Ça arrive très très peu. Ça peut arriver, mais ça arrive très très peu de manière générale.
Mais c'est en fait, quand tu commences à le fight ou à passer un peu sur les côtés, c'est une toute petite zone derrière lui, hein, vraiment, pour qu'il se déclenche pas. Mais il a plus tendance à se retourner. Et du coup, à partir de là, au moment où il se retourne, tu peux t'attendre à ce qu'il te saute dessus. Mais généralement, c'est rare qu'il te saute dessus avant de te faire un double swipe. Enfin, sans te faire de double swipe. J'aurais plus tendance à te dire que si t'as fait un double swipe, il sautera qu'une fois. Si t'as pas fait de double swipe, il fera trois fois. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Mais c'est carrément inexact et faut pas se fier à ça parce qu'il y a des fois où il te le fera pas parce que c'est codé de telle façon que voilà. Mais il n'y a pas trop de patterns. Mais de manière générale, en fait, t'as toujours envie de rester derrière lui quoi qu'il arrive. C'est très dangereux d'être devant lui. Vraiment, tu prends un angle de 30 degrés comme j'explique dans ma vidéo et tu restes derrière lui quoi. C'est tout. Voilà. Du coup. Oh ma chérie, je ne te vois presque plus, comme cela me fend le cœur. Mais où est-ce que tu es exactement? Au fond de la mer, dis-t-il, moi, le royaume de ton père est bien plus vaste que je ne le pensais. Ta vidéo Fresh File. Ah! Alors, si tu me poses la question, j'imagine que c'est pour la God's Cup. Et dans le salon God's Cup, je sais pas si c'est dans le salon God's Cup et tout. Enfin bref, j'ai fait un tutoriel de Fresh File. Un tuto Fresh File qui dure 5 heures, qui parle de tout. Et je parle notamment du fight Thésée Astarion. C'est chapitré, donc tu peux direct aller au fight si tu veux. Et du coup ouais cette vidéo là elle dure 5 heures, elle est sur YouTube. Tape tuto Fresh File Nitro Stark, tu trouveras. Ah t'es pas en Fresh File. Ah oui là tu parles pour le High Heat tu veux dire. Ah pour le High Heat c'est encore autre chose. Ok bah alors si tu joues Estia t'as même pas besoin de rester derrière lui. Moi je croyais que tu parlais en Fresh File. Après ouais franchement même si t'es pas en Fresh File va voir parce que j'explique quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour le High Heat aussi. Mais de manière générale déjà en plus si t'es en High Heat normalement tu devrais jouer peut-être plus Mesure d'Urgence 3 parce que c'est des points gratos vu que les champions sont pas trop, enfin après je dis ça mais c'est pas forcément vrai. Bref. Mais si tu joues Estia reste à distance hein, franchement t'as pas trop de soucis à être collé à lui. Et si tu vois qu'il saute vers lui tu dashes vers lui, comme ça tu vas dasher normalement à travers lui et il t'aura jamais de problème. Sauf si t'es en mesure d'urgence 3, là faut dash out, mais ça c'est une autre histoire encore. Bref. Alors. Tant que vous avez au moins qu'un. Ouais, une zone restaurée, si y a de signe. Ouais, ok. Vas-y. Vas-y, je tente ça. Splendid was the princess in her fight. Oui, je suis en mesure 3. Ah, c'est pour ça que tu poses la question. Ah oui, bah ça n'a rien à voir. Ok, de manière générale, ce que tu dois te dire en mesure d'urgence 3, c'est que tu lui mets des dégâts que quand il est pas en mouvement. Genre, il vient de faire ses spins, ou il vient de finir sa toupie Beyblade, là, tu peux tirer dessus. Et où il vient de finir 3 sauts, tu peux lui tirer dessus. Toutes les autres fois, tu te déplaces. Tu dois pas lui tirer dessus entre 2 sauts, tu dois vraiment, c'est trop compliqué, quoi. Bah franchement, est-ce que tu joues avec Forced Overtime 2, c'est-à-dire genre les mobs se déplacent 40% plus vite et pops 40% plus vite. C'est les petites le logo, c'est les petites ailes d'Hermès. Les petites chaussures avec les ailettes d'Hermès. Si t'es marqué 1, enfin c'est normalement c'est 20%, c'est 0%, 20%, 40% en fonction du niveau 0, 1, 2. Ça s'appelle Forced Overtime en anglais, je crois comment ça s'appelle en français. Oui, tu joues avec, je suis max dessus. Ok, donc ça veut dire que Astarion il va aller très vite d'un saut à un autre. Donc vraiment entre ses actions tu peux lui tirer dessus mais pendant ses actions évite. À part la toupie Beyblade, genre tu peux t'éloigner de la toupie suffisamment loin et le bourrer, mais c'est chaud quoi. Mais en général, prends pas de risques et fais très attention à ce que tes effets quand tu combats Astarion. Et oui, il faut jouer safe. Faut jouer safe. C'est un fight où il faut jouer safe et en fait, plus tu vas jouer safe, plus tu vas avoir l'XP sur le fight et plus tu vas avoir l'XP, plus tu pourras le jouer vite. Mais au début, faut vraiment jouer safe ce fight.
Moi j'ai un build avec les crânes là. Ouais, t'as quoi sur le build de Lino? C'est elle qui s'est brisé le cœur toute seule. Les gens comme elle craquent toujours pour ceux qui ne partageront jamais leurs sentiments. Mais bon, bien sûr qu'elle trouvera comme quelqu'un qui pense qu'elle est géniale. C'est comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Là, je me suis pris de la save et je le fais en boucle. Ouais, c'est une bonne idée en vrai. Non, t'as raison de jouer en boucle. Très bien. Est-ce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un perde sentiment pour toi ou est-ce que tous tes prétendants finissent systématiquement dans le champ des pleurs, rongés jusqu'à la fin des temps par un amour que tu ne partageras jamais? Tout ce que je sais, c'est que personne ne m'a jamais aimé autant que moi. Les gens sont tous trop occupés à se victorier sur leur sort pour vraiment se soucier d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Vas-y, ça suit chaud. Oh quoi? J'ai oublié quoi? Oh, le calcaire! 1, 2, 8, let's go. Mais pas de soucis, n'hésite pas à m'envoyer des MP aussi moqui quand je suis pas live pour me poser des questions sur ADS. Y'a aucun souci, hein. Je suis venu pour demander un review rapide du jeu, j'ai très envie de l'acheter. Achète-le. Voilà, review très rapide. Alors, la vraie question que je dois te poser, c'est t'as aimé. Est-ce que t'as joué à Hades 1 hein? Oui, mais bêta. Ah, t'as jamais joué à Hades 1 en entier? Ok, et sur la version bêta que t'avais joué à Hades 1, t'avais kiffé? Adieu. Attends, y'a pas de la thune dans la salle là? Je pense à DS2, il peut être Gotti. Je pense qu'à DS2, il va être Gotti, ouais. Ça dépend après. Ça dépend si. Si GTA 6 sort la même année, GTA 6 sera Gotti pour des raisons évidentes de GTA et tant pis pour Hades. Mais si GTA 6 sort pas la même année, mais contre Silksong, Hades 2 pop, je chope le Gotti. Mais c'était mal balancé la bêta du 1, mais avec un très bon build, c'était un fait de 45 minutes Hades. Ouais, enfin là, on parle de la bêta du 1, et oui, c'est vrai qu'il y avait des problèmes sur la bêta du 1, mais là. Mais Hades en entier, Hades 1. Définitive édition, trop bien. Hein. Tu vas où toi?
Ok, parfait. Balex aussi, c'est des longues questions, quoi. Mais alors, si tu es des petits tips, je peux te répondre, quoi. Prenez, on manque des dégâts là. Oh, quel cauchemar quoi. Tu vas faire des runs, tu penses, ou attendre la 1.0? Non, je vais clairement faire des runs. Là, le problème c'est que je pars 2 semaines en vacances, du coup. Bon, voilà quoi. Moi, dimanche, je suis pas là pendant 2 semaines, donc pas de run, mais une fois que je suis revenu, ça va partir hein. Héphaïstos, tous les jours. Il nie d'Héphaïstos. Boum. T'as niqué Chronos, Lino? GG. Deux kills avec des builds OP pour l'instant. Ah, c'est bien. Hein. C'est bien si tu commences à trouver des builds. Et le problème c'est que je sais pas où est le troisième. À droite, j'imagine. Normal. Ah, mais merde, putain, je suis con. En fait, il n'y avait pas de troisième. Ok, let's go là.
Ok, on y retourne. Il reste qui? Ah, il reste toi. T'es relou toi, c'est bien. Boum. Oui. Héphaïstos. Paraît que ta route sous terre passe par les champs de pleurs. Alors là, j'aimerais encore moins être à ta place. La tristesse est comme la fumée, ça te monte au nez, ça te pique les yeux et une vraie plaie. Eh ben nice. Art martial, votre dégât technique a plus de dégâts pour chaque terre en votre possession. Bon, on a 10% de dégâts en plus là. Ok, let's go. Bon bah, ça part là, hein, évidemment. Écho, sujet de Narcisse. Ouais. Je ne sais pas quel genre de personne il était quand vous êtes rencontré, mais il est tellement but de lui-même que, comment dire, ses autres sens en souffrent un peu, si on peut dire que ça comme ça. Quand je dis pas, je me souviens même pas exister pour lui. D'accord. Vas-y, je suis chaud. Un autre bienfait d'Héphaïstos, ça me va. Vous subissez moins 10% de dégâts et restaurez une certaine quantité de mana lorsque vous en subissez. Obtenez un peu d'armure, les attaques ennemies ne doivent plus vous déplacer. Vous devez vraiment le au début de chaque combat. Ok, on va prendre ça, ça me va. Marteau. Pomme. Et ça... Ouais, mais je prends un marteau, hein. Le marteau c'est trop trop bien en vrai. Alright, c'est parti. Oula. Marteau, marteau, marteau. Vous pouvez exécuter un coup de puissance avec votre technique. Cela inflige plus 20% de dégâts et vous permet de restaurer 5. Voilà. Votre technique 100% plus rapide inflige 5% de dégâts de base en plus. Vas-y. Boum. Bah, pas horrible ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, votre attaque fait plus de dégâts. Ça, ça me va. Allez, dégage. Oh, il va saouler lui. C'est où la sortie? C'est par là-bas? Je me suis trompé. Complètement là. Alors, on a quoi ici? On a ça. Et puis, on va faire ça.
voir ce qu'on a là-dedans. Hop là. Alright. Hermès. Pourquoi pas. Votre livre consomme moins de mana. Vas-y, hein. Carrément chaud. Ça aussi, ça me plaît. Let's go. Ok, on est vraiment pas mal en vrai là. On est vraiment pas mal. Ouais, on est allé à la surface, ouais. Bon, j'allais dire, est-ce que ça reste, est-ce que ça passe aussi si j'arrive là, mais je peux pas tenter le truc. Il est où Jean-Jacques? Il est là. Ok, j'ai pas la range, vas-y. Ah, la clim. Il est long ce fight quand même. Hein. Tu fais des dégâts, tu montes un peu de régène mana. Ah, je sais pas trop en vrai. J'ai pas mal de régène, mais pour moi, il me manque des trucs sur, sur l'attaque chargée. Et le glyph, on peut encore l'améliorer. Le molosse des enfers, ça fout encore un poignet d'âme en peine, semble néanmoins satisfait. Allez, bisous. Bête apaisée. Boum! Il y a trop de moments où tu peux pas le taper, le chien. Ça va en vrai, mais. Je vois ce que tu veux dire.
Bon bah là on prend ça, hein. Aucun doute. Vos actions chargées inflige temporairement plus de dégâts, ça j'aime. Let's go. Going down. Let's go. Il y a beaucoup de PV aussi, Cerber, j'ai l'impression. Encore quelques chambres, moi je serai à la maison. Let's go, mon gars. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, hein. Let's go. Regarde le top serveur, observateur du mal avancé de ses 6 yeux perçants. T'es capable de refuser la mort, tout comme ton frère, Zagreus. Lui aussi était particulièrement robuste pour sa stature, et également très obstiné. Ne parle pas de lui comme s'il n'était plus de ce monde. Chronos sera emprisonné avec mère et les autres. Ok, Zag est pas mort. Let's go. Quand tout ça sera terminé, nous serons tous à nouveau réunis. Comment peux-tu en être si sûr? Comment peux-tu faire de telles promesses? Sais-tu contre qui tu te bats? Le titan, mon père, jamais il ne s'arrêtera. Il est le plus obstiné de nous tous. Lorsque vous affrontez Chronos, celui-ci invoquera moins d'ennemis que d'habitude. Lorsque vous affrontez Chronos, celui-ci supérera une prise sensible. Le glyphe devient un projectile, le cercle magique se forme au point d'impact. C'est un banger. Ok, ça c'est oui. Ah, c'est une info de fou, hein. IDF, info de fou. Que pour le coup, avec un peu plus de régène mana, on aurait un build plutôt banger. Je suis assez d'accord. J'ai que cette sortie là quoi. Ok.
Parfait ça. Héphaïstos, vas-y. Let's go. Il y a un système de chaleur dans la DS2, tout à fait. C'était pas si horrible en vrai. Votre attaque et votre technique a plus de dégâts à l'armure de vos ennemis. Ça, ça peut être bien contre les mobs de Michel. Ok, ça je prends les pommes, multi-pommes. Oh oui, oh ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça, ça régale. Il y a un duo là. Ouais, je suis un malade. Par contre, je prends Déméter. Hein. En premier. Pas déconner. Tu sais que c'est pas des pommes? Oui, je sais. Oui, je sais que c'est pas des pommes, mais en fait on dit pomme parce que en speedrun en anglais on ça se dit pomme, P-O-M. Comme pour pomme grenade, je crois, non? Je sais plus, enfin bref, c'est pomme. Non, c'est juste pomme, bref. Et du coup, je dis pomme depuis toujours, mais je sais que c'est une grenade. Oh ma chérie, si l'orgueil et la vanité sont vraiment des faiblesses, alors je suis sur le point d'être très vénérable avec toi. Non! Maintenant que j'y pense, même dans les plus mauvais espaces de nos vies, nous serons toujours tous unis par au moins une chose, notre caractère. Ok, je prends ça. Beaucoup d'argent ou... Vas-y, on prend. De pomme grenade. C'est ça, merci. J'étais plus sûr de mon info. Dans 66 de thunes, ça c'est beau.
Ok. Pas mal. Non mais film comment c'est le Oméga bordel. Boum. Et maintenant, let's go. Invasif sur la forme alternée. Ouais, c'est intouchable complètement. 500, 300, 800... Moi, je veux tout prendre, en vrai, sauf la carte d'abonnement. On va commencer par... Hermès. Nos attaques sont plus rapides. Ça me va. Ensuite... Hephaïstos. Vous devenez invulnérable au début de chaque combat. Vous concentrez 30 mana de sorte à obtenir de l'armure chaque fois que vous arrivez dans une zone toute armure, ainsi obtenu expire lorsque vous en sortez. Bon, je peux commencer avec ça en vrai. Ah, c'est pas mal ça. La mana que je restaure à chaque fois. Ok. Pour bête à Caron, évidemment. Coucou BG. Allez! Là, c'est parti, 3 refus de la mort. Oh là 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 là. Refus de la mort, full life et des bons dégâts. Ah, c'est interdit de pas y arriver là. La deuxième win, peut-être. Je croyais que tous les dioctoniens étaient tes ennemis. Et tu as persuadé Eris de rejoindre ton camp. J'ai du mal à imaginer une alliance encore plus ridicule. Mais si tu ne cherches qu'à semer encore plus de chaos et de destruction, alors je suppose que tu as fait le bon choix. Il est vrai que l'on me doit beaucoup de choses, mais jamais je n'ai convaincu d'une quelconque alliance avec la Discorde. À quoi la Benjamin et cervelée des enfants de Nyx pourraient-elles bien me servir? Cela dit, si elle a bel et bien décidé de se rallier à ma cause, alors peut-être a-t-elle plus de bon sens que je ne l'imaginais. Jure, elle est juste conne en fait. Carré. Parti. N'oublie pas, invulnérable. Oula, oula, un peu trop cher là. Come forth, my subjects.
C'est bon. Ok, j'ai dash out. Ok. Les drapeaux, c'est comme damage control dans Hades 1. Ça lui donne un petit cœur bleu de résistance qui lui permet de tanker n'importe quel dégât. Même si tu lui mets 1 million, il prendra que 1. J'ai du mal avec un seul dash, habitué à deux dash. Bizarrement, aucun problème de mon côté. Peut-être le fresh file, tu utilises jamais ton pouvoir. C'est vrai que j'aurais pu un peu plus l'utiliser à la fin là. Je l'ai utilisé un peu au début mais... Mais quoi? Oh vas-y frère, c'est bon aussi non? On s'en pétait les bois, il roubignole le bug là. Vamos. Le deuxième, franchement, je kiffe trop la P2. Hein. La P2 est vraiment trop trop bien. Yo, Smulpy. Il aura fallu les 3 refus de la mort. Ouais, j'ai été meilleur sur ma première win, hein, largement. Mais let's go. Let's go, let's go. Pour les GG. La P2 est hardcore. Ouais, le temps ne peut être arrêté. C'est impossible.
C'est impossible. Ça 38 minutes, putain, j'ai mis encore plus de temps qu'à ma première win. J'ai mis 33 minutes à la première. Eh ben, ça en fait des bienfaits. Trop marrant que la mana elle se régère en bas à gauche alors que t'es en fin de fight. Alors que le fight est fini. Chronos m'a mis 355 de dégâts. La bête infernale 108. Quand même pas mal. Merci pour les GG, merci, merci. Ce qu'il aurait si t'es pas dans la zone. Ouais, de ouf. La première run, t'avais le crâne aussi. Ouais. Là, on était avec le sceptre. J'ai mis 78 000 de dégâts avec le glyphe et 70 000 avec l'attaque oméga. Pas mal. 21 000 de dégâts avec la face cachée quand même. Pas mal. Wait. J'ai ce que j'ai besoin pour maintenant. Vaincue seulement pour l'heure, l'intrigue en Chronos ne peut être si facilement anéantie. Toutefois, chaque victoire fugace contre lui permet à la féroce millionnaire de retrouver quelque chose qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Le glyphe, c'est si fort, ça dépend le glyphe. Ça dépend de ton glyphe. Ça, c'est Chronos et ses trois fils, vous croyez ? Hades, Zeus et Poséidon, j'en sais rien. Je viens d'analyser la dernière, si t'as gagné, c'est grâce à la grenouille. Ouais, tu crois? Possible, hein. Frindos for the win. La princesse millionnaire OP plus couleur de saffron a longtemps attendu son heure, et c'est ce que feront également, bien que dans une mesure, tous ceux qui souhaitent connaître les détails de sa glorieuse vengeance. C'est beau, bravo. Merci. The fates were on my side. Can you believe it? J'ai réussi, Frinos, je l'ai vaincu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quoi bien, Dora? Est-ce que tu as besoin que j'évalue ta performance ou quoi que ce soit d'autre? Non, ça ira. Enfin, peut-être que si, mais je crois que j'ai un peu perdu la motivation en fait. Mais ça arrive à tout le monde un jour. Inquiète, ça passera. Alright. Comment est-ce que vous pouvez être si certain que plus aucun tissage n'est en cours désormais, que les mois ne déterminent plus le cours de nos vies et que tout est maintenant dû entièrement au hasard? Je n'ai jamais dit que j'en étais certain, seulement je ne perçois plus l'œuvre de mes sœurs, je n'avais jamais ressenti cette absence jusqu'à présent. Cela dit, je n'ai jamais été éloigné d'elle ainsi non plus. J'ai l'impression d'être à la dérive. T'as déjà obtenu des appâts, c'est déjà que je cherche. Oui. Normalement, quand tu débloques le truc, t'obtiens des appâts. Bonne nuit, serpent à poil, des bisous. Bonne nuit aussi à Bonnie Blood, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, évidemment. Des gros bisous. Je pense que je vais me chercher de la flotte, je vais faire une dernière run et puis ce sera tout. Comme si vous ne saviez pas vers où vous dirigez. Personnellement, je n'ai pas l'impression que quelque chose a changé malgré ça. À quel point c'est étendait réellement le contrôle des mois. Leur influence est considérable, comme vous vous en doutez. Mais peuvent-elles agir sur le moindre de vos actes, la moindre de vos pensées? Bien sûr que non. Vous êtes une personne consciente. Par exemple, c'est vous qui, de vos progrès, avez choisi de me parler à l'instant. Non, c'est marrant parce que ça t'explique quand même pas mal. Enfin, je sais pas. Côté mycologie, c'est cool quoi. Tu as progressé, t'as sûrement camé, tu es parvenu à me vaincre. D'ailleurs, tu me laisses une belle érafle, il y a encore beaucoup à faire, mais tu es sur le bon chemin. Merci, maître Cicat. Je ne sais pas, j'aurais jamais vaincu si tu ne t'étais pas retenu. Tu sais? Pourquoi imposes-tu de fausses limites à tes propres capacités? Change ta façon de penser, nous nous retrouverons dehors. Est-ce que vous disputiez aussi souvent avec maître Cicat et toi? Avant, pardon. Je crois que c'était moi que tu détestais plus que tout. T'as toujours été naïve, princesse, mais pour répondre à ta question, je m'entendais bien mieux avec Ekal jusqu'à ce qu'elle décide que ça, c'est la meilleure chose à faire de mes talents. J'avais pris cette décision depuis longtemps, mais alors, tu vas lui en vouloir pour toujours ou est-ce que tu comptes faire quelque chose? Je fais déjà quelque chose, honore la promesse que j'ai faite à Mère Nyx, sinon je serais déjà parti depuis longtemps, sûrement à ta grande déception. Complètement la dernière run, Chloé. Mandrake root.
Take all the time you need. Genre à la fin du stream, incroyable. Ouais, je commence à fatiguer un petit peu, donc tranquille aujourd'hui. Bon, là j'ai clairement pas assez, mais là j'ai assez. Ok. Ça, j'aime bien. Let's go. Tous les bienfaits qui vous sont offerts ont 30% de qualité rare. Beyond Game. La réponse c'est absolument oui. Ça va être dur. J'en ai fait un petit peu tout à l'heure pour tester. On en sait quoi. Et ouais, ça va être chaud. Ah bah, je suis complètement avachi dans ma chaise. Mais en vrai, la cave, je devrais. Attends. Je suis complètement avachi dans ma chaise. Hein. Je pourrais faire ça et ça déjà. Un peu mieux. Et la cam est un peu haute peut-être aussi. Non, non, regarde, c'est bien. Mais je suis complètement avachi, ouais. Attention au dos, monsieur. Pouah, il y en a déjà plus, hein. Tranquille. Alors, on doit jouer avec quoi? Avec les lames. Ok, ça me va. Let's go. Les lames, aspect de Melinoé. Allez, oui, les trucs de backstab là. Vas-y, je l'améliore. Boum! Ok, je vais partir avec Hephaïstos du coup. Et c'est parti. Dernière run. On s'en stuff full tapé au cac, ça passe, non? Bah, le problème, c'est que tous les ennemis ne sont pas adaptés au cac, quoi. C'est-à-dire, le peu qui te reste en état acceptable, certes, certes. Alors, est-ce que ça serait que t'en as une belle fessée à certains titres? Oh, regarde-toi! Est-ce que ça serait aussi que je t'y ai aidé? Je veux dire, c'est pas comme si t'avais abattu Chronos à main nue, si? Enfin, bref, mon boulot, ma petite sorcière. Oh, le boulard! Nos glyphes infligent des dégâts 3 fois consécutives et couvrent une plus petite surface. Vas-y, je vais commencer par ça. Allez, mana max, on commence comme ça. Let's go. Ok, nice, on a amélioré l'éclat. J'ai l'impression qu'il y a plus de monnaie dans les rooms là, ou c'est peut-être juste que... C'est peut-être juste peut-être le fait que les jarres soient plus grosses, on sait rien. Allez, Frinos. Arrête de faire des bruits de canard, je t'en conjure par contre. Aphrodite. Et on n'oublie pas d'offrir un cadeau à Aphrodite, pitié. Le cadeau. Grâce à vous d'Aphrodite, je ne suis plus sûr de moi-même. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que vous fassiez une nouvelle offrande. Ah, j'avais déjà offert. Absolument ok à mon trésor. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça fait bien trop longtemps qu'on n'avait pas fait couverte de louanges. Et my bad. Rapi, ça fait une deuxième.
Oh, ce serait l'air d'une pomme d'orgeois là, ma chérie. Je savais que tu avais bon goût. Ce fruit sert à beaucoup de choses, tu sais, comme à préparer du délicieux nectar, extraire de magnifiques rivales, déclencher de grandes guerres et plus encore. Très bien. Vos glyphes attirent vos ennemis vers leur centre en leur appliquant l'état affaibli. Tout... Ouais, ça c'est bien. Hein. Let's go. Oh, de l'argent. Wing, wing, wing. Hop là. Fait. Héphaïstos, oui. Come at me, bro. Normalement, je vends pas mes services pour une bouchée de pain. T'as de la chance, toi. T'as droit à un ristourne familial. Par contre, il faut bien que Caron touche sa commission dans tout ça. Faut le comprendre. Bah oui, ça sera égal. Arachné, vas-y. Oh. Tu es trop bien froide avec moi, Arachné. Est-ce que tout va bien? Est-ce que le fait que j'aide les Olympiens te dérange? Attends, comment ça tu aides les Olympiens? Je crois que c'était l'inverse, que c'était eux qui t'aidaient toi. C'est la même chose, non? Nous entraînons, c'est ici pour la commune amitié. Mais je sais que ma proximité avec les dieux a de quoi te mettre dans l'embarras, et si tu ne souhaites plus m'aider, je t'en voudrais pas. Je vois, eh bien, peut-être que tu connais les dieux mieux que moi, qui sait? Mais on dirait que tu as encore une ou deux choses à apprendre en matière d'amitié. Même une petite araignée décrépitée. Décrépite, pardon. Peu décrépite, c'est n'importe quoi. Je le constatais, enfin bon, choisis donc une robe. Il est dur, Chronos, JPP. Il est dur, Chronos. Il l'est. Bah, allez. Dégâts sur le glyphe, Lomos. Pas mal. Oui, le martal. Le gros martal. Alors, votre attaque chargée couvre une plus grande surface, inflige plus 400 dégâts, mais consomme 20 de mana. Chaque fois que vous tuez un ennemi avec votre attaque chargée, celle-ci inflige 5 points de dégâts de base jusqu'à la fin du combat en cours. Putain, mais les 3 sont nazes, j'en peux plus. Vas-y, on va faire ça. Hermès, oui. Dégage, t'es vachement profond hier soir. Je savais que t'en étais capable, même, bravo. Mais on dirait que papy a pas dit son dernier mot, et peut-être qu'au moins il va commencer à y réfléchir à deux fois avant de nous chercher des noises. Oui, Alphelosia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nel, le rôle de bienfait, pas sûr que ça vienne un jour ça. Ah si, quand même, je sais pas. J'ai clear, let's go. GG, Alphelosia, n'hésitez pas à aller follow Alphelosia, pitié. 32ème run, GG ça. T'as clear avec quelle arme? La hache, oh putain la vache. Le clear à la hache, respect ça, GG. La hache ça me paraît vraiment pas être le plus simple. Hein. Ton aura a changé, elle est plus dense et plus stable qu'avant. La preuve que tu y es les arcanes. Donc tu mets le lit dans ton hôtel pour mieux préparer tes sorties. Chaque carte me montre une qualité différente. Comme je me concentre sur l'une d'elles, c'est comme si je ne faisais plus qu'un avec la personne qui la présente. Si seulement je pouvais en faire autant sur toutes les cartes à la fois. Quoi, ça Nitro, c'est pas un fresh file? C'est pas un fresh file, on a fait du fresh file au début. Hein? Non, ça a un shield d'intérêt quand même, ça fait des choses, c'est vrai.
Boum. J'aime surtout les dégâts d'armes, des fois tu one-shot les mini-boss, c'est une dinguerie. Ah bah oui, oui, non mais la hache c'est méga violent. Son habilité grandissante dans le maniement de l'Imero, c'est particulièrement terrifiant, c'est bien. Ah mince, j'ai oublié de prendre ça. Hop, bisous. Allez, on y va. Merci beaucoup Lakshmi pour le follow, bienvenue évidemment. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Vous trouverez très bientôt un bienfait d'Aphrodite, ouais. Vas-y, je tente ça. S'il y a une chose sur laquelle ces maudites moires et moi sommes d'accord, c'est que tout est voué à disparaître. Un jour, nous retournerons tous sans exception dans le néant dont nous avons émergé. Tes petites sorties ne font dans ton cas qu'accélérer ce processus. Je suis allé jusqu'au milieu du deuxième biome en Fresh File, à peu près. C'est tout. Déjà pas mal. Allez, c'est l'aîné. Let's go, mon gars. Je sais pas si je vais faire un cadeau à elle. Allez, dans le doute, ça part. Voici pour vous, Sélénia. Je ne me sens jamais perdu, sachant que la lune sera toujours là pour les minimes en chemin. C'est très gentil à toi de mourir ainsi. Mes chevaux et moi te remercions que ça nous ait attirés sans doute lors de ces longues nuits. Oui, c'était déjà fait. Bravo à moi. Pour le coup, ma première partie, je suis arrivé jusqu'à Scylla, mais j'avais dosé la démo technique qui s'aide. Ah oui, non, mais la première fois qu'on a joué, on est arrivé, je sais plus, sur la première run. Peut-être qu'on est arrivé au boss, ouais. Oui, j'ai un truc comme ça, Sinan, je pense, ouais. Tu vas affronter les titans au tréfonds des enfers et d'après ta maîtresse, tu es parvenu à le terrasser. J'ai toujours su que tu en étais capable, petite étoile. Sa force vitale se constitue réellement de grains de sable, alors tu lui as ainsi ôté l'un des. À toi, maintenant, de jeter jusqu'au dernier. Et Banaïs, c'est super. On va prendre ça. Je prends de la vie, hein. J'ai clairement pas assez de vie là. Death to Kronos. Ouais, ça marche, j'irai voir. Ouais, avant qu'elle en achète un, je vais prendre ça. Où étais-tu passé, ma petite fille? As-tu retrouvé notre ennemi au tréfonds du royaume de ton père et réussi à te transfercer le cœur? Ah, si seulement. Nous l'avons eu, Seigneur Caron. Nous avons prouvé que les titans pouvaient être tués. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure de le faire disparaître pour de bon, mais en attendant, cela compliquera l'exécution de ce projet. Merde, j'avais pas vu qu'il était reparti pour ça. Ah, Frino, ça a absorbé le projectile. Large. Oh bordel de merde. Jure quoi, il était en invulnérabilité là, c'est quoi ce délire? Thank you.
Moum. Cœur léger, tant que vous posez au moins 4 lollipop. 4 bien fait d'air, ouais. Les chances d'équipe sont augmentées. Enfin, on va prendre ça. Il faut compléter les prophéties. Et un peu de mana max, let's go. Solide. Ok. Nice. Ça c'était propre. Et dernière room j'imagine. Pas mal. Allez Hermès, rends-moi heureux. Notre glyphe consomme moins, vos techniques sont plus rapides. Alors on va faire ça. C'est parti. Ah ce fight hein, quand j'ai hâte qu'on trouve des strats, que ce soit plus rapide. Donc ma petite dame, c'est quand même un établissement respectable, il y a un code estimé au terrassu, eh oui. Oh mais regarde-toi, tu ressembles à rien. Disons que j'ai surestimé l'hospitalité des habitants des mers vis-à-vis des étrangers, d'où mon apparence négligée. Et aussi mon manque de patience. On dit que de ce fight, Mama. Et l'alternative. Mama aussi. Ah, t'as le mal de mer, c'est ça? Si c'est comme ça, alors on va pas te faire attendre plus longtemps. Allons-y les filles, 1, 2, 3, 4. Ah, bah voilà, le Felosia. Tiens là ça passe. J'ai l'impression qu'elle l'ait pris. C'est la même chanson, c'est la phase B, c'est ça.
Merde, elle touche quand même ici. Ah oui, y a plus la statue. Je me trouve enfin. Quoi ? Randall, j'étais en train de dash en même temps. J'ai le démon. Attention, ça arrive fort. Boum. La vidéo devait pas être dispo sur Spotify, pas encore pour l'instant, elle est sur YouTube mais pas encore sur Spotify, ça va pas tarder, je pense. À moins qu'ils attendent la release de la 1.0 pour la mettre sur Spotify, dans quel cas ça risque d'être encore un peu long. Yo Loop dit ouais, ça va très bien et toi? Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? C'est vrai qu'on améliore ça en vrai, ça peut être un banger. Allez, on va le prendre. Boum! T'as envie de les écouter en boucle, c'est fou. Sélène et Déméter, Sélène et Déméter. Bah Déméter. Ouais. Allons-y. Déméter. Notre glyphe peut plus dégager aussi jusqu'à son expiration. Ouais. On va prendre ça. Tenter de booster la chaîne YouTube, oh, c'est pas impossible, ouais. Quant à ta vie sur les boons de Zeus, je pense que c'est banger, mais que les gens savent pas encore l'utiliser. Et je pense que Zeus Poséidon, ça peut être encore une fois un duo banger. Pas mal ça. Marteau. More corrupted. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Vous attaque. Oh, couteau dansant. Ah non, c'est pas ça. Couteau punitif. Ouais. Ok, vas-y, allez. Merde, c'est ça.
C'est ici. Ah ouais, il y a des gens qui disaient ça. Bah ils sont bien cons. C'est vraiment... Dire ça, c'est vraiment mal connaître le studio. Là. Si Supergiant a décidé de faire un second jeu, c'est qu'ils avaient complètement l'idée. Ils avaient les idées pour, quoi. Sachant qu'ils se sont lancés dans l'idée de faire un deuxième... Ils ont... Le développement de la DS2 a commencé en janvier 2021. Faut se rendre compte de ça aussi. Hein. Bonsoir, je ne te vois jamais ici quand Carmen est dans les parages. Il ne faut pas que tu aies peur de lui, il est notre ami, même s'il n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il dit. Toujours facile de comprendre ce qu'il dit, oui. Remplacez toute votre charge consommée de par de nouvelles charges restant 50% de notre vie. Et de moins en moins. Pas compris. Ah, c'est-à-dire que je récupère 50% et ensuite 40, puis 30, puis ah, si j'ai... Ok. Ma chance d'esquive augmente de 50%, oui, ok. Bah je prends de ça, hein. On va aller chercher ça. Les boules là, eh, vraiment, ça casse les... Bah ça casse les boules. Il est où le dernier là? Oh là là là. Oh, t'es mal à la taille de la branche. C'est pas horrible. C'est bon, on finit de me casser les burnes les deux là. On peut plus hein. J'ai pris 8 et 4, j'ai cru que j'avais pris 84, j'ai eu méga peur. Je me suis dit ça va, faut doser, non? Tu fais où toi? Ouais, les mobs ils se perdent dans ce monde, comment vous les faire? Bon,
Bon, j'ai pas mal d'argent, on va aller là. On va choper un petit sandwich. Les yeux commencent à se croiser, il faut aller dodo. Ah bah, de toute façon, c'est la dernière. Hein. Ah, j'ai dit que c'était la dernière. Encore Hephaïstos ? J'aime bien ça. Allez, ça part. Moi, je pense que les dégâts ils vont être négatifs là. C'est bon là, super état. Ah super. Ouais, j'ai cru que j'allais me le prendre le truc. On est en deuxième. Nice. Oh, le timing, légendaire. Non, génie. J'y résiste, ça fait plaisir. Ah, j'ai pas perdu de refus de la mort. Let's go. C'est vraiment l'objectif numéro 1 là. Pouf. Un beau fight. Je suis content. Now be at peace again. So much dust. Hop, slurp. Hop, Nantados. Allez, ça part. Bon là, là ça va être compliqué. Service entrance. Central control. Et je sais ce que c'est le itinéraire rapide. En gros, l'itinéraire rapide, c'est que le jeu te dit si tu veux aller vite voir Chronos, il faut prendre tous les chiffres. Si tu prends pas les chiffres, et bah ce sera plus lent de tout. C'est ça que je l'ai dit.
Moum. Ouais, ce qui est cool, c'est que tu as le choix n'importe quand dessus. Il tient sur le doigt. Oui. Rien que le fait de m'inquiéter pour eux m'horripile, mais je veux savoir comment se portent les Olympiens dans tout ceci. J'ai beau être incapable de sortir de cette guerre, il est évident que les légions du Titan sont en guerre. Les morts ont envahi le monde des mortels et les armées de Chronos s'assiègent l'Olympe en ce moment même. Pour l'instant, la guerre est dans l'impasse, les dieux arrivent à défendre leur montagne, mais sans plus. J'essaie de leur redonner l'avantage, mais en attendant, la surface fait vraiment peine à voir. Comment cela, la surface fait vraiment peine à voir? Es-tu en train de dire que tu l'as vu de tes propres yeux? Par quel prodige? Je vois où tu veux en venir. Père, est-ce que tu croirais si je disais que j'avais trouvé un moyen d'atténuer les effets de notre malédiction et de supporter plus longtemps le climat de la surface? En tout cas, assez longtemps pour faire la différence là ou au moins essayer? C'est impossible. Cela dit, les impossibilités ne cessent de se succéder ces derniers temps. Et donc, non seulement tu dois vaincre le titan, mais également venir au secours de l'homme quand je pense qu'autant d'espoir doit reposer sur tes seules épaules. C'est tout bonnement absurde. Ça l'est, mon petit pote. Ça l'est. Vous infligez plus de dégâts pour chaque utilisation consommée de votre refus de la mort. 10%, ouais. Parce que vous affrontez Chronos, ouais, ok. Parce que vous subissez des dégâts, vous devenez invisible pendant 10 secondes, cet effet pourrait être reproduit toutes les 40 secondes, ça c'est trop bien. Vengeance occultée. Allez go. Nice. Parfait ça. Allez, Phaistos, fais-moi plaisir. Ça va vous? Nice. Parfait. Pas mal. J'aime bien. Oh les rats, on n'en peut plus! Okay, parfait. Ouh. En tout cas, des positions déjà, la cible subit des dégâts 5 secondes après l'application de l'effet. Ok, ouais, c'est pas mal en vrai. Yo The ZZ Redragon. Putain, j'ai failli écorcher ton pseudo. Merci beaucoup pour le raid, ZZ Redragon. Bienvenue à tous. Bienvenue.
Comment ça va? Comment ça se passe sur Hades 2? Beaucoup pour le follow. Pour le follow, pour le raid. Oh, je vois, 2h du mat, ça y est, le mec est bien fou. C'est lent. C'est pas mal. Pas réussi à tomber chrono sur 2 malgré ton tard de femme, j'ai honte. Bon, ça va venir, hein. Eh, franchement, le fight est pas simple. Hein. Le fight est plus dur que Hades. Voilà. Non, Hades. Premier, dis donc. 1000! T'as dégoûté, il s'est barré. T'as pas honte de te barrer, mec. Tu l'as tombé, toi? Ouais, 2 fois. Mais attends, j'ai raté un truc, là. C'est où? Où c'est que c'est, là? Ah, voilà, là. Ouais. GG, quelle arme? La première avec les crânes et la deuxième avec le sceptre. On va aller là quand même, on va arrêter de faire des bêtises. Ah fuck, j'aurais mieux de pas prendre celui-là. On en peut plus des crânes. Hein. Beaucoup de pièces. Mais j'ai méga avancé, mes armes sont super avancées, mes cartes aussi. Mais c'est bien ça. Parce que moi pour le coup c'est l'inverse quoi, j'avance pas méga vite. Mais bon, j'imagine que c'est logique du coup. Chers américains, 7 fois médaillé d'or au Mondiaux 2007 seront en compétition avec une boîte de palourdes en conserve en guise de porte-bonheur. Merci Julien. Encore ? Ça va aller, je pense, hein. On n'en peut plus, là. Hein. Allez, tout le monde va se retrouver là. Voilà, vous restez tous ici. Et boum ! Merci, bisous. Beaucoup d'argent, merci. Oh non, je me suis gouré. Envie de crever. Vas-y, je prends d'Aphrodite, qu'on sait pas ce que fait Héphaïstos. N'arrive pas à tuer le sniper en surface aussi, bref, c'est chaud. Le sniper? Alors attends, t'es en divin? Non, je suis pas en divin. Un peu tout match varié, mais j'ai méga avancé mes armes. Ok. C'est ça qui me déçoit, on dirait que le jeu augmente la diff quand je suis boosté. Non, c'est clairement pas le cas. C'est juste une sensation.
Néphalisto s'est fâché. La prochaine fois que je te fais une offre, ma petite sorcière, je te conseille de l'accepter. Oh, ça va, bébou, là, arrête d'être vexé. Wow, ça dégoûte. Comment ça je prends 19, mais c'est quoi cette dinguerie encore? Eh ben, y'a le merdier. Ah donc si tu connais pas le sniper, c'est que je suis plus avancé mais que je tombe pas Chronos car je suis une buse. Bah je sais pas, genre peut-être que tu l'appelles le sniper Ah le sniper en surface aussi. Ah tu veux parler de Eris? Putain j'avais pas lu en surface, c'est pour ça. My bad. Vous je l'ai lu mais peut-être sans vraiment le lire, enfin t'as capté. Ouais, bon, Eris, ouais. Bah, pareil, je l'ai tombé aussi une fois, ouais. Ça, c'est bueno. Bon, je pense qu'on est quitte maintenant. On pourra recommencer à se chamailler une autre fois. Ouais, ouais. Dégage! Allez, vas-y. Un peu de vie et tout. Bon, on arrête les bêtises, là. Let's go. Bon, bordel. Ok, bon bah j'ai beaucoup de thunes, mais chez à moi. Hein. Bon alors on va faire ça, ça, ça. Et puis bah let's go. Hein. Allez, on va jamais se faire toucher de toute façon dans ce jeu. Bon, deux refus de la mort et un build pas foufou, mais let's go. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Merci, merci. Let's go. Ah, ouais. Tu es trop jeune pour savoir comment le monde était jadis. Quand les dieux ne l'avaient pas encore refaçonné selon leur lubie. Avant, les mortels ne mouraient pas dans l'agonie. Ils n'étaient pas condamnés à se languir à jamais dans cette fosse. C'est un âge simple, un âge meilleur. Pour toi, oui, parce que tu ne contrôlais tout. Parce que tu contrôlais tout, je te demande des détails. Tu ne supportais pas le fait que d'autres aient une vision du monde différente de la tienne, à tel point que tu as déclaré la guerre à tes propres enfants, après les avoir dévorés, paraît-il. T'as un try pour un back-to-back, là? Tout à fait, Smulpy. Ouais, il paraît beaucoup de choses avec eux. Ce sont eux qui m'ont déclaré la guerre, et non l'inverse. Vois-tu, mes enfants, naturels comme adoptifs, étaient fort indisciplinés. J'en avais bien trop pour tolérer leur impudence. Et sache, ma petite, que je ne tolérerai pas non plus la tienne. Expire.
Qu'est-ce qu'il me casse les couilles avec sa faux là? Pas sérieux, il a vraiment bougé ce chien. Je déteste, mec. Il invoque ses merdes en plus. Et ça fait deux. Mais dégage, toi. Attends, t'es qui dans le milieu, toi? Il me dégoûte cette petite merde là. Allez, bouge pas. Ouais, bon, ok. Je suis vraiment un blaireau, c'est trop grave. Super. Oh, c'est vraiment horrible, j'ai pas de dégâts, c'est affreux. Allez, 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 descend de ta P1 là. Voilà. On va me faire éclater en P2. Let's go. Tel père, telle fille, semble-t-il. Ouais, ouais, vas-y, allez. Super. C'est quoi, c'est 50 HP et no dream? Ouais, presque. D'accord, ouais, nice, ça commence bien déjà. Même Frinos, elle est là, il est là quoi. Il est dingue. Mais c'est bon, frère.
Allez, c'est bon. On en peut plus! Putain, j'ai réussi à le mettre mid-life avec 60 HP, quoi! Non, c'est trop grave. Pourquoi je m'applique qu'en P2, quoi? Je suis vraiment un troller. C'est trop grave. Ah, la P2, c'est... D'accord, quoi. Dommage, j'ai quand même... Ouais, non, c'était pas mal. Bon. Bon, on fait un petit tour vite fait, là. Petit tour des PNJ, puis... Puis c'est finito après. Eh, hey, tu sais, si j'étais toi, je me ferais plein de trucs, moi. Genre, j'irais courir avec mes jambes et tout, j'irais prendre un bon bol d'air frais, ça ferait du bien à mes poumons, ça. Enfin, si j'en avais. Arrête de rager, t'es quand t'es comme ça. Et si j'avais des mains, je t'aurais quelque chose, tiens. Genre, je sais pas, une coupe? Non, un bol. Comme ça, je pourrais manger dedans. Pas mal, ça. Manger. Enfin, je crois. Si je pouvais me souvenir de l'effet que ça fait, ce serait déjà bien. Merci beaucoup, Alphelodia, pour le sub offert à dommage. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup Escogriff et Brumariel pour les follow, bienvenue évidemment. Alphelosia qui n'en rate pas une pour offrir les meilleurs subs. Ok, j'ai fait tous les sorts de Séléné. Nice, bravo. Il manque quoi? Ah, il y a presque tous les bienfaits d'Aphrodite. Ah, j'ai eu que deux duos. Nice. Eh ben, il y en a des choses à faire. Hein. Joueur à l'affût, ouais, je vois ça. Pardonne ma description, princesse, mais j'ai l'impression que Némésis et vous nous tendons des guerres. Enfin, GG, mec. Perspicace, le bug. Et qu'est-ce qui a pu vous donner une telle impression, Seigneur Moros? Une dispute incessante sur les choses les plus insignifiantes, peut-être? Je doute qu'il s'agisse de choses insignifiantes si elles vous concernent, vous, Némésis. Je sais que vous avez eu des différends au sujet de votre tâche. Vous avez été choisi pour la mener à bien, mais pas elle, c'est bien cela. On pense quoi des armes à part la première? En vrai, elles sont toutes pas mal, hein. C'est très très différent, pour le coup. C'est bien ça. Némésis est en train de dur pour ça, mais moi aussi. Le choix n'a jamais été le mien, mais elles m'ont fait malgré tout. Connaissant Némésis, c'est elle qu'elle en veut. Mais elle déverse sa frustration sur vous, comme je l'ai déjà constaté à plusieurs reprises. Hélas, c'est auprès des morts qu'elle devrait se plaindre, pas de vous. Eh oui. Boum. La commande Amazon. La mosse. Bonsoir, forcément, pour voir du ADS2, faut que j'aille voir le best. Yo, Brumariel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bah, franchement, ADS2, hein, banger. Hein. Bon, qui en doutait? Pas grand monde, finalement. Il fait un temps où je désespérais d'écouter le chant des sirènes, j'ai à peine résisté à leur tentation. Bien sûr, je n'étais qu'un simple mortel. Peut-être que toi, en tant que déesse, tu es moins sensible à leur charme. Peut-être. En tout cas, je ne vois pas ce qu'il y a de si charmant. Et si c'était Scylla, le problème? Elle a l'air plutôt autoritaire, les sirènes feraient probablement plus d'effet sans elle. Oh, une vraie menace celle-là, elle engloutit si membres de mon équipage comme si elle avait une bouche pour chacun de ces malheureux. Il n'y avait rien à faire à part prier les dieux et continuer notre chemin. Il eut bonjour de ma part. Est-ce que les dieux ont répondu à tes prières au moins? Peut-être bien, ouais. Tout le monde attend beaucoup de toi, la pression sur tes épaules, tu n'en parles jamais, mais je sais qu'elle est présente, je sais qu'elle t'accompagne partout sans relâche. J'ai du mal à faire la différence entre pression et espoir ces derniers temps. J'ai passé toute ma vie à préparer pour ce moment et vous comptez tous sur moi. Est-ce que vous êtes vraiment certaine que je réussirai un soir, maîtresse Ekat? Il est vrai que pression et espoir sont liés, en constant conflit avec l'un l'autre. Lorsque la pression prend le dessus, elle laisse alors place au désespoir, c'est à ce moment-là seulement que l'on perd vraiment ses moyens. Ne répondez pas à ma question, même les pouvoirs combinés des dieux de l'Olympe n'ont pas suffi à arrêter Chronos par le passé. Vous savez à quel point les mois sont imprévisibles, mon succès est très loin d'être certain. Ce n'est pas un résultat que j'ai espoir, c'est en toi. Et de l'espoir, j'en ai à foison. Si un soir tu en tombes à court, sache que je suis toujours pour t'accorder un peu du mien. Allez, super, merci maman. Bon, le tour du jardin là, hop. Allez, on fait pousser toute cette merde. On n'en peut plus. Hop là! Alright. Ici, on n'a rien. Et ici... OMG! Rang 5 des crânes. Papa. On pourra faire ça la prochaine fois.
Ok. Je vois que tu as appuyé tout premier family, et sache que tes disciples sont également mes disciples, jeune fille. Ils seront entraînés et entretenus pendant tes absences, et ils pourront aussi se battre contre moi, si telle est leur volonté. Non, on peut pas pet Frinos ici, quoi. On peut le pet que quand il est assis... Bref, vous avez compris, quoi. Ok, bon. Et bah... encore une belle session. Ma foi, c'était très chouette. On a encore battu Chronos, donc nice. Deux victoires contre Chronos maintenant, ça fait plaisir. Fais voir tes bagues s'il te plaît. Tes bagues. On n'est pas... Mes bagues, je vois pas ce que tu... de quoi tu veux parler. LOL dans le jeu. Les anneaux. Les anneaux. Ah, c'est ça. Ah, les souvenirs. Pardon. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est que des anneaux, vu que c'est que des placeholders, mais oui, oui. Sorry. Voilà. C'est tout. À qui j'ai pas offert ? Donc, Zeus, c'est bon. Ok, il manque Poséidon et Hera. Et le reste, ça... Ah non, bah, il doit en manquer encore un peu plus. Hadès, je lui ai offert ou pas ? Ça part de Narcisse, Kao, Apollon, blablabla, Héraclès, Hermès, Artemis, Sélénée, Caron, Moros, Némésis, Dora, Tadémée et Kat. Ulysse, j'ai rien offert ? Si. J'ai rien offert à Ulysse ? Jure, attends. Bon, alors, on va régler ça tout de suite. Cara Design d'Hera, banger. Salut Lich, je tenais à trouver ça pour remercier ta vigilance de regarder un œil sur moi pendant tout ce temps. Oh, déesse, rien que ta présence ici est le meilleur cadeau qui soit. Et puisque tu te sens si généreuse, peut-être que tu me laisseras t'offrir ceci en retour. Osselet usé, voilà, c'est bon, c'est fait. Non mais j'avais rien à faire. Terrible ça. Ok, nice. Voilà, ça c'est bon. Tu visais moins 15% de dégâts de la part de gardien, le prochain gardien que vous affronterez perdra immédiatement 5% de vie. En plus, c'est méga fort. Ok. Moros, Caron, Némésis, Dora, Tadémée. Ça, je sais pas qui c'est. Bon, en tout cas, il manque Hera, Poséidon et Hadès, déjà. Héraclès, Hestia et Phaistos, Apollon, Déméter, Aphrodite, Zeus. Donc, Poséidon, Hera et Hadès. Et pour le reste, Icare, il manque. Iris, peut-être que je peux lui offrir un truc. Je sais pas si elle est là. Ah, peut-être qu'elle est là-haut. Je vais aller voir. Je quasi tout et upgrade comme un porc, mais je tombe pas Chronos, la rage. Ouais, ça va venir, t'inquiète. Franchement, je me fais pas de soucis. Élever un aspect au rang 5. Boum. Voilà. Tiens, allez, on va lui offrir ça à cette mégère là. Écoute, je tiens vraiment à ce que tu sois la bienvenue en sécurité ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit à la légère, tu sais. Nous avons tous perdu quelqu'un ou quelque chose qui comptait pour nous. J'espère qu'avec ce nectar, c'est content que je suis sincère. Waouh, du vrai jus de pomme d'or. Merci ma gueule. C'est la seule ici qui essaye de vraiment de m'inclure dans ce que vous faites. Tiens, tu sais quoi? Prends ça. C'est pas grand chose, mais je l'ai gardé sur moi au cas où je me ferai une amie. Cloche discordante. Non, bah ça merde comme d'hab, mais let's go. Faut qu'on lui parle aussi d'ailleurs. Je comprendrai jamais vous tous, je comprendrai jamais pourquoi vous accrochez tellement au passé, surtout toi. Non mais franchement, tu sais même pas ce que tu rates. On ne s'accroche pas au passé, on veut simplement rétablir l'ordre. Je peux savoir où tu veux en venir exactement, Iris? Où je veux en venir? Et toi alors? C'est ça aussi votre problème. Vous voulez tous en venir à quelque chose, c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. On veut pas se détendre et s'amuser un peu. On peut pas faire quelque chose juste parce qu'on en a envie. Allez, on va y aller, hein. Avant qu'elle nous casse les burnes. Et lui, il a quoi à me donner? Ouais, 1000 trucs, je parie. Poussière d'étoile, 800. Ok. Mais l'autre, il mate le jardin en légende, là. Allez, je relance un peu les infos, encore GG. Mais bon courage Non mais JPP. Non mais Alphilosia, qu'est-ce que... En fait... Bon... Merci pour le sub offert à Death to Chronos.
Si tu veux offrir un sub à Super Giant Games, n'hésite pas, hein, évidemment. À Amir, Rao et Greg, n'hésite pas. Hein. Comme ça, ils remarqueront qu'ils sont abonnés ici. Je déconne, évidemment. Alors, ma donne est quoi ? À chaque fois que vous terminez un combat, vous infligez, mais aussi subissez plus 0,5% de dégâts. C'est de la méga merde. À chaque fois que vous terminez un combat, vous infligez, mais aussi subissez plus 0,5% de dégâts. Ok. Et ça se stack. Ça veut dire qu'à la fin de la run, tu mets plus 100 de dégâts, mais tu prends aussi plus 100 de dégâts, quoi, potentiellement, en pourcent. Ok, nice, super. Bon, on est pas mal au niveau des souvenirs. Let's go. Ok, cette fois-ci, c'est bon. Voilà, quoi. Merci, Super Giant Games. En plus, je crois qu'ils ont créé leur chaîne... Enfin, la chaîne Twitch, elle a été créée il y a pas longtemps. Ils avaient pas beaucoup de follow quand ils ont fait le test technique. Après, bon, ils streament pas beaucoup sur leur chaîne, donc arrive, mais voilà, quoi. Bon, bah, c'était fort sympathique. On va se finir sur une petite photo avec Frinos, évidemment, comme d'hab. Ici même. Hop ! Voilà. Merci beaucoup, Frinos. Boum !